Peut-être pour arriver au sujet qui nous intéresse, donc les relations industrie-commerce ou plus largement les relations fournisseurs-acheteurs. Pour ceux que l'on connaît déjà, bon, vous savez qu'on aime bien effectivement, au-delà des relations industrie-commerce, élargir un peu le débat aux relations fournisseurs-acheteurs, puisque ces réglementations que l'on va évoquer concernent tous les secteurs d'activité. Donc on prend toujours le soin d'élargir et les profils variés des personnes inscrites montrent que effectivement, ces dispositions du code de commerce vont bien au-delà des relations industrie-distribution ou grande distribution, si on prend un spectre plus restreint. Donc ça, pour nous, c'est un élément important de réflexion et n'hésitez pas dans vos questions à nous pousser à élargir vers d'autres secteurs si on fait un focus trop centré sur la distri. On a pour habitude, comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, donc de faire ce genre de réunion une fois, voire deux fois par an pour suivre un peu l'évolution des ligues commerciales, souvent avant lorsqu'elles débutent, comme maintenant, et puis un peu plus tard dans l'année, lorsqu'on est vraiment très proche de la clôture et de la signature des conventions, donc juste avant le 1er mars ou juste après le 1er mars. Voilà, donc là, situation un peu particulière, mais extrêmement, je dirais, importante et sensible aussi au plan économique et juridique, et je pense que ça valait le coup de prendre le temps d'échanger avec nous, ou d'échanger, pardon, avec vous, pour avoir le plus possible un peu l'interaction sur ces sujets. On vous parlera bien sûr de dossiers d'expérience que l'on a sur ces sujets, mais on est bien sûr preneur de vos questions et de vos commentaires hein, pour enrichir le débat. Donc, mon nom est Thierry Titone, j'interviens en matière de concurrence-distribution au sein de la société de Florence et Associés depuis quelques années, et notre activité est centrée sur les problématiques de relations industrie-commerce, fournisseur-acheteur, tant sous l'angle des contrats et des pratiques restrictives de concurrence, des pratiques tarifaires, que sous l'angle du droit de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles. Et donc l'idée est de co-animer avec Mathieu, qui est également à l'écran, cette présentation. Mathieu, je te laisse la parole. Oui, alors bonjour à tous. Je suis également associé au sein du cabinet avec Thierry, avec qui nous travaillons depuis maintenant une petite quinzaine d'années. Alors, comme l'a rappelé Romain, si vous pouvez couper vos micros et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à utiliser la boîte de messagerie. Et donc, j'interviens aussi comme Thierry sur les sujets en particulier de droit de la distribution, de droit de la consommation et de compliance de manière générale, à la fois les sujets de données personnelles et de corruption, qui sont des sujets un peu périphériques aux sujets qu'on va aborder aujourd'hui, mais avec lesquels il y a beaucoup de liens. Très bien. Ben, ce que je propose, c'est que l'on partage peut-être la présentation maintenant, si j'y arrive. En tout cas, je vais essayer. Ah, alors là, du coup, je ne vois plus ma presse parce que ah, si je sais comment faire ici, je pense que je peux cliquer. C'est masqué. Voilà, mais en principe, ça fonctionne pour moi. Mathieu aussi, je pense. Je vois que ça a l'air de marcher, donc c'est super. Donc, je vous propose qu'on déroule les slides et puis à nouveau, n'hésitez pas à enrichir et on prendra le temps d'échanger à la suite du déroulé des slides. Donc, sur ce sujet des relations industrie-commerce, voilà, il nous semblait vraiment important de faire un point puisque depuis le début de la crise sanitaire, depuis le confinement et à l'approche, je dirais, de ces négos commerciaux qui démarrent, qui démarre dans certains secteurs, on voit effectivement que les questions s'accélèrent autour de cette situation absolument exceptionnelle, donc des notions d'imprévision, de force majeure, de renégociation, de bonne foi, de nécessité de s'adapter à la réalité, donc d'adapter les contrats en cours. Donc on souhaite à la fois traiter de la thématique des négociations commerciales, mais tant, je dirais, sous l'angle de l'adaptation des relations en cours et des contrats 2020 que sous l'angle de la renégociation pour 2021. Et dans un premier temps, on va rappeler le cadre de la relation commerciale avec des sujets qui ne sont pas bouleversés par l'actualité, même si on va voir qu'il y a un peu de jurisprudence qui donne quelques éléments d'attention, notamment sur le calendrier. Et dans un second temps, on développera davantage la partie sur ce qu'on appelait la nécessaire adaptation des contrats 2020 et la préparation 2021 face à la crise donc sanitaire et économique, en s'attachant donc
à voir comment les entreprises s'adaptent, comment le, non pas le législateur pour l'instant, mais les autorités de concurrence ou la commission d'examen des pratiques commerciales se comportent et communiquent dans cette phase d'adaptation et de crise. Et pour centrer aussi notre propos sur un avis de la commission d'examen des pratiques commerciales qui a été publié au mois de juillet et qui nous a semblé être une bonne, un bon signal, une bonne approche pédagogique de la commission d'examen des pratiques commerciales pour aider, inciter ou guider peut-être davantage les PME que les grands groupes, mais pour donner en tout cas des idées sur la façon d'adapter, rappeler des principes, d'adapter les contrats et d'adapter les négos commerciales 2021. Alors, sur le cadre de la relation commerciale, je vous le disais, c'est des éléments qu'on va rappeler. Ce sont des éléments qui sont des éléments inchangés, mais on a quand même des éléments de contexte qui nous semblaient intéressants de rappeler. Le premier, c'est le fait que l'an passé, il y a un an, on a quand même vécu la mise en œuvre de l'ordonnance du mois d'avril 2019, qui, comme vous le savez, a modifié légèrement le cadre juridique, les outils juridiques de la négo commerciale et de la relation commerciale, avec les dispositions notamment sur la convention unique, avec un régime général de convention unique, applicable très clairement à tout secteur d'activité et aux grossistes, et un régime spécifique de convention unique pour les produits d'une grande consommation, davantage tourné vers le monde de la distribution et de la grande distribution, ou de la distribution spécialisée, mais avec un niveau, on y reviendra rapidement, mais si vous avez des questions, bien sûr, un niveau, on va dire, de précision, notamment dans le prévisionnel qui est à définir dans les contrats annuels, un niveau de précision un peu plus élevé pour ces produits de grande consommation qui sont définis dans un décret qui a, comme vous le savez, d'ores et déjà été publié. Pendant la crise, contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles, le gouvernement a pas mal communiqué, beaucoup communiqué sur les 26 ordonnances rendues dans l'urgence dès le 25 mars. Celle qui nous intéresse, qu'il faut garder en tête, même si, en principe, là, je dirais, tous les effets de ces ordonnances sont maintenant, en tout cas au niveau calendaire, sont maintenant passés. Ordonnance numéro 306 et ordonnance 427, donc, qui ont eu de façon différente, puisque la 427 a évolué par rapport à la 306, mais de façon schématique, qui ont eu pour effet de proroger les délais pour permettre donc le traitement des échéances contractuelles, des astreintes, des clauses pénales, des clauses exécutoires, des clauses de déchéance. Donc pour aménager le traitement de ces échéances pendant la période de crise sanitaire et pour créer une période qui était figée et qui a été figée jusqu'au 23 juin 2020, donc période pendant laquelle la non-exécution ne pouvait pas être poursuivie entre les parties. Alors ensuite, il y a eu l'ordonnance 427 au mois d'avril qui a légèrement modifié les règles. On y reviendra si vous avez des questions particulières, mais je dirais la démonstration des mécanismes des ordonnances demande de prendre des exemples pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et on va pas le faire dans le temps imparti, mais on pourra y revenir si vous avez encore des questions sur ces sujets-là. Mais retenons que c'est une période effectivement qui a été gelée, une période juridiquement protégée, qui a été gelée et qui a suspendu en tout cas les poursuites pour ce type de clause. Le dernier élément de contexte que l'on voulait évoquer rapidement, c'est les projets de réforme qui s'annoncent. C'est-à-dire que non seulement on a effectivement eu la réforme de 2019, non seulement on vit cette crise, mais il faut garder en tête que la situation n'est pas complètement stabilisée au plan juridique, même si ce ne sont pas des révolutions, ce qui s'annonce, mais en tout cas, il y a quelques évolutions souhaitées, qui ne sont peut-être pas des priorités, mais bon, elles sont en tout cas lancées. Il y a le projet de loi Egalim numéro 2, déjà, qui s'annonce et qui présente différents objets. On est loin d'avoir un texte finalisé, et ça ne va pas impacter les 2021, mais c'est quand même des signaux intéressants qui proviennent de l'industrie agroalimentaire, mais encore une fois, l'agroalimentaire est souvent
enfin, devance souvent ce qui se passe dans d'autres secteurs, notamment en termes de pratiques d'achat ou de distribution. Et donc, dans la loi Egalim 2, on a la volonté claire de s'intéresser à la création des centrales d'achat et à toute forme d'alliance à l'achat, avec un texte qui envisage de fixer un principe d'interdiction a priori de centrales d'achat ou d'alliance à l'achat pour des entreprises qui auraient des parts de marché supérieures à un seuil qui n'est pas encore défini, mais qui serait défini par l'autorité de la concurrence, ou en tout cas, peut-être sans doute après avis de l'autorité de la concurrence, consultation. Mais c'est à mettre en lien avec les réflexions sur l'évolution du contrôle des concentrations, donc un contrôle a priori des opérations, et voire une interdiction souhaitée par certains de super centrales d'achat pour des acteurs qui auraient des parts de marché importantes. Premier point. Puis, pour ceux qui auraient des parts de marché plus faibles, il y aurait un système de notification obligatoire que l'on connaît, format, gérer, contrôle des concentrations. D'obliger les opérateurs, et notamment les acteurs professionnels, à définir des références prix, notamment donc des indicateurs de prix, pour permettre de mieux gérer les évolutions de matières premières. C'est vrai aujourd'hui, enfin c'est voulu dans l'agroalimentaire, en application d'un texte qui est ancien, qui est le L441-8. Depuis des années, on se dit qu'effectivement, ça va effectivement se diffuser vers d'autres secteurs et qu'on aura cette logique de révision des prix prévue par un texte. Et, bon, là, c'est sur Egalim 2, c'est encore de l'agroalimentaire, mais le texte évolue pour obliger l'interprofession, les syndicats, les fédérations, à définir d'abord et à publier ensuite des indicateurs dans le respect du droit de la concurrence, et puis des dispositions qui veulent aussi obliger les entreprises à barémer, à rendre plus transparente la pratique des services type coopération commerciale rendus par les distributeurs, par les centrales, par les acheteurs, à leurs fournisseurs, pour avoir une plus grande transparence sur ces services, leur réalité, mais surtout leur valeur aussi et leur prix. Donc ça, ce sont des éléments qui nous semblent intéressants à rappeler. Donc c'est une première évolution qui vient de l'agroalimentaire, une deuxième évolution qui vient d'un projet de loi, alors je reprends le titre, un projet de loi qui s'appelle « Loi pour l'accélération et la simplification de l'action publique », donc une loi ASAP, accélération, simplification de l'action publique, qui a donné lieu à des amendements adoptés il y a quelques jours à l'Assemblée. Et là, on a des dispositions qui, à nouveau, portent sur les centrales d'achat et sur le fait d'intégrer dans les conventions uniques, dans les contrats, les rémunérations de ces centrales. Donc, créer de la transparence, poursuivre en fait c'est l'utilisation de l'outil contractuel pour créer de la transparence, y compris sur les centrales et y compris sur les centrales internationales, donc situées en dehors du territoire français, dès lors que, bien sûr, le contrat est en lien avec le territoire français. Là, le lien qui est fait pour l'instant dans le projet, c'est le lien produit. Donc, dès lors que le produit aurait vocation à être distribué, notamment en France, l'extraterritorialité de ce futur texte impliquerait que la rémunération des centrales internationales serait prévue dans les conventions uniques définies par le Code de commerce. Donc ça, c'est une évolution qui me semble intéressante aussi à citer et qui est multisectorielle, hein, qui ne concerne pas que l'alimentaire. Le dernier point qu'on a évoqué dans nos slides, mais je vais très vite là-dessus, c'est l'évolution du règlement européen sur les accords de distribution. Le règlement 330/2010 a 10 ans, donc il va être réformé. Et rapidement, on peut dire que la tendance qui se présente aujourd'hui, c'est celle de la confirmation de la jurisprudence, notamment Coty, sur la distribution sélective. C'est l'intégration de la distribution Internet dans le règlement d'exemption pour que Internet soit traité comme un mode de distribution comme les autres. Mais je dirais mécaniquement ou schématiquement, c'est principalement l'intégration de la jurisprudence européenne en matière de distribution. Je continue au-delà de l'introduction sur les outils dont je vous ai parlé,
qui sont les outils habituels donc de la négociation commerciale que vous devez bien sûr utiliser et mettre en œuvre pour 2021. Donc la négo est toujours fondée sur l'offre du fournisseur, ses conditions générales de vente qui constituent le socle de la négociation commerciale, qui est toujours un élément essentiel, fondamental de sa stratégie et essentiel pour permettre éventuellement la mesure des déséquilibres lorsque ça arrive dans les négociations, dans les contrats, ça reste un élément de référence. Donc c'est un point toujours important à travailler, et d'autant plus qu'on va devoir intégrer les incertitudes liées à la crise qu'on va évoquer après. Les autres outils, vous les connaissez également, c'est bien sûr la convention unique de l'article L441.3, je crois qui a sauté là dans la diapo, mais sous convention unique, vous devriez avoir la référence à 441-3 du Code de commerce, avec dans la convention unique, soit le régime de la convention générale qui reprend les différents éléments de service dans la slide, donc les éléments de coopération commerciale et autres services rendus par le distributeur. Et puis pour la convention unique des produits de grande consommation, le chiffre d'affaires prévisionnel, qui est à prévoir également dans la convention, d'autant plus difficile à faire que, bien sûr, on vit dans cette situation d'incertitude, et l'intégration dans la convention unique du barème de prix unitaire des produits, donc de ce qui se trouve dans les conditions générales de vente, qui va devoir intégrer la convention unique, et ça va servir de référentiel pour mesurer les équilibres ou les déséquilibres dans la convention. Donc, je pense que c'était quand même utile, même si là-dessus, il n'y a pas d'éléments nouveaux, de reprendre ce schéma, pour se dire que voilà, tout l'enjeu de l'incertitude, de l'imprévision, de la force majeure, de la crise, de la renégociation ou même de l'adaptation des contrats ou de la renégociation de bonne foi qui est à voir, doivent aussi s'anticiper, peut-être sans doute dans les conditions générales de vente et dans les conventions uniques qui seront proposées par les acteurs de la distribution. Et en bas de schéma, vous avez donc la référence au NIP, aux nouveaux instruments promotionnels qui sont toujours largement utilisés par les industriels et les distributeurs, bien au-delà de la grande distribution. On voulait rappeler rapidement donc ce temps qui s'accélère, et moi aussi il faut que j'accélère un petit peu, entre la crise, les négos, la transmission des conditions générales de vente et la signature des conventions uniques, avec une pression un peu plus forte que les années précédentes du fait de contentieux et de sanctions qui ont été publiées récemment à l'encontre d'enseignes de la grande distribution. Je ne sais pas si Mathieu, tu voulais en dire deux mots peut-être sur ce sujet-là. Oui, alors, d'abord ce qu'on constate, hein, c'est que les négociations ont déjà commencé, donc elles ont commencé plus tôt que habituellement. Dès cet été, on avait déjà des premiers retours sur les négociations. L'autre point également, c'est vrai qu'elles se font dans un contexte un peu particulier, puisqu'elles ne se font pas dans un contexte physique, et donc il y a aussi un durcissement de ces négociations. Et ensuite, par rapport à ce qu'évoquait Thierry, effectivement, il y a eu un certain nombre de sanctions administratives au cours des derniers mois du fait de manquements au formalisme contractuel, et l'ensemble des centrales de la grande distribution ont été touchées, et sur des montants assez conséquents, puisque parmi les quatre sanctions qui ont été prononcées au cours de l'année 2020, on a une sanction qui va jusqu'à 6 340 000 euros pour 21 manquements à l'obligation de signature des conventions conclues, alors que d'autres font état d'un nombre de manquements plus importants et des sanctions moindres. Mais ce qui a certainement été sanctionné, c'est l'utilisation aussi d'une forme de chantage, disons, sur la signature des contrats et comme levier de, enfin, cette date de butoir comme levier de négociation pour la signature des contrats. Voilà, donc c'est vrai qu'on avait tendance à, depuis des années, hein, on avait tous, bien sûr, une exigence forte au 1er mars, mais on n'était pas nécessairement toujours très inquiet par le non-respect de la date du 1er mars.
On l'était parfois, comme le disait Mathieu, le rappelait Mathieu justement, on était inquiet sous l'effet d'une forme de pression où on voyait que de part et d'autre, hein, que l'on soit acheteur, que l'on soit fournisseur, on sentait que parfois il fallait sécuriser cette phase de négociation, la documenter pour pouvoir expliquer le fait qu'on allait dépasser la date butoir du 1er mars de façon exceptionnelle. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer dans cette logique-là. Il faut vraiment documenter les négos pour ne pas se laisser, pour pouvoir expliquer aussi en cas de contrôle pourquoi et comment cette date du 1er mars a été dépassée. Alors, après donc avoir rappelé ce cadre, encore une fois, qui est inchangé, mais qu'il faut vraiment plus que jamais, je pense, utiliser, qu'on soit dans la pratique des conditions générales de vente, des conditions générales d'achat ou de la convention unique, ou des avenants en cours d'année, qu'il va falloir peut-être anticiper. Au-delà donc du rappel de cette du cadre de cette relation commerciale, on voulait. Je pense que vous avez à nouveau la presse. Voilà. On voulait revenir avec vous sur. Vraiment un petit problème technique. Je reviens. Si je vais ici. Ah, du coup, je ne suis plus en diaporama, mais je suis ici. Et je vais mettre en diapo. Voilà. Alors, je pense que c'est bon. Mathieu, tu peux être mon témoin. Ça va, ça fonctionne à nouveau. Désolé, c'est la limite ou le début de mon incompétence. Alors, donc, sur la thématique de l'adaptation des contrats, voilà, on voulait arriver avec vous à cette présentation d'autres éléments de contexte et puis des dispositions légales et contractuelles qui vont servir à l'adaptation des contrats. Le premier point quand même de contexte qu'on voulait reprendre sur l'adaptation des contrats, c'était un point sur les délais de paiement, qui nous semble quand même un sujet qui n'est pas un sujet nouveau lié à la crise, mais qui est un sujet toujours d'actualité. C'est un des points effectivement récurrents, mais qui a pris d'autant plus d'importance du fait de la crise sanitaire. Donc très rapidement, le gouvernement s'entend que c'était un sujet à créer un comité de crise sur les délais de paiement, qui a eu plus vocation de surveillance de ce qui se faisait, qui contrairement au passé où on sanctionnait plutôt ceux qui étaient en retard dans les délais de paiement, là il y a une volonté de valoriser au contraire ceux qui payaient dans les délais. Le sujet des délais de paiement est particulièrement d'actualité aujourd'hui puisque l'Observatoire des délais de paiement a publié son rapport aujourd'hui sur le bilan de l'année de 2019. Ce qu'il en ressort, c'est que l'administration constate que ça correspondrait à un manque à gagner de 19 milliards d'euros pour les PME en termes de trésorerie, ces retards de délais de paiement. Le retard moyen serait de 11,5 jours, alors que dans d'autres pays comme les Pays-Bas, où il est de 4 jours, et en Allemagne, où il est de 7 jours. L'autre constat, par ailleurs, c'est que la crise sanitaire n'a pas eu un impact si considérable, en tout cas dans les premiers temps, sur les délais de paiement, puisque au deuxième semestre 2020, le retard et demi, donc à 13 jours. Pour autant, c'est vrai que c'est un des chevals de bataille de l'administration de réduire ces délais de paiement. L'idée est de passer en dessous de 10 jours et l'administration compte aussi sur le fait que la facturation électronique va devenir obligatoire à compter de 2023 et que ce sera de nature à réduire les délais de paiement. Alors, dans l'attente, ce qu'on constate, c'est une multiplication quand même des contrôles de la DGCCRF. En 2019, il y a eu 1517 contrôles. Un petit peu plus de 30% de ces contrôles ont fait état d'une anomalie. Et il y a eu 271 PV de sanctions pour un montant total de 34,9 millions d'euros d'amende.
Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une grande disparité des montants des sanctions qui sont prononcées. Par exemple, au cours des deux derniers mois, on constate que la plus basse amende est de 2 000 euros et la plus importante est de 2 millions d'euros. Mais dans le même temps, sur 2019, la moitié des sanctions étaient inférieures à 20 000 euros. Ce qu'on voulait aussi soulever, c'est que ce qu'on constate aussi dans les contrôles auxquels nos clients sont assujettis, c'est une multiplication des contrôles sur les délais de paiement à l'international, qui est avec un premier sujet qui est de savoir si la réglementation française va s'appliquer dans les relations internationales, et notamment quand les parties ont choisi un autre droit. Donc là-dessus, il n'y a pas de jurisprudence pour le moment qui est tranchée sur ce sujet, mais la commission d'examen des pratiques commerciales avait publié plusieurs avis sur la partie internationale, et notamment pour déterminer si les dispositions sur les délais étaient d'ordre public international ou non. Alors pour l'instant, elle a tranché que c'était d'ordre public interne et pas international, ce qui permet aux parties, le cas échéant, de déroger dans leurs relations commerciales à l'application des règles de droit français dans la limite de l'abus, et notamment si l'ensemble de la relation s'exécute en fait sur le territoire français. Et là, on retrouverait l'application, bien entendu, des dispositions d'ordre public interne sur les délais de paiement. Merci Mathieu, ça me fait penser en t'écoutant, je pensais du coup à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les sanctions qui ont distribution, qui ont signé leurs accords tardivement dans l'affaire Eurelec. C'est, je pense, l'exemple d'une centrale qui n'est pas une centrale française, qui regroupe Leclerc et puis un distributeur allemand. Et du coup, on a là un exemple d'application d'une sanction administrative, donc action de l'administration, action de pouvoir de police administrative contre une entreprise qui n'est pas une entreprise de droit français, bon, qui est active sur le territoire français. Donc on retrouve, dans la mesure où les produits sont distribués par cette centrale en France, en Allemagne, en Autriche, je ne sais où, on a de toute façon un élément de rattachement au droit français, et effectivement des textes d'ordre public au moins interne à coup sûr, et un pouvoir de police administrative de la répression des fraudes qui permet de mener l'action, donc, et de sanctionner. Donc on est vraiment un petit peu aussi dans cette logique-là. Et c'est vrai que dans les projets de texte qu'on a évoqués tout à l'heure, on a aussi la volonté d'appliquer, enfin d'avoir des textes qui viennent contrôler ces super centrales, qu'elles soient françaises ou non, hein, dans la mesure où il y a des éléments de rattachement qui sont liés à la distribution des produits. Donc on retrouve un peu les éléments que la CEPC évoque dans les avis délais de paiement que tu rappelais. Alors les autres éléments de vigilance que l'on souhaitait vous présenter et éventuellement ensuite échanger là-dessus avec vous, ce sont les éléments de vigilance des autorités de concurrence. La répression des fraudes des autorités de concurrence ont été actives pendant la crise sanitaire, le sont toujours, et c'est finalement pas mal. Elles ont aussi fait preuve d'un vrai effort de pédagogie. Et on a, alors en bas de la diapo de la slide, on a la thématique de la surveillance accrue du marché pour éviter des abus d'opportunité. Ça, c'est vraiment le rappel qui a été fait, illustré par une action de l'autorité sur un marché guyanais, où là, effectivement, l'autorité rappelle que le droit de la concurrence s'applique de façon normale, et qu'il ne s'agit pas d'avoir des formes de coopération ou donc de pratiques anticoncurrentielles d'opportunité. Au-delà de ça, on voulait évoquer deux choses. Donc, il y a ce que l'autorité de la concurrence a accepté de rendre public, qui est l'assistance qu'elle a apportée, notamment donc, à une fédération d'un certain nombre d'opticiens, pour rendre un avis qui n'est pas formellement, je dirais, un avis, mais qui est une forme de publication. Alors, elle l'avait déjà fait par le passé, hein, en droit de la distribution. Elle avait parfois publié, en étant un petit peu, je dirais, en dehors d'un cadre réglementaire précis. Mais donc là, en tout cas, elle l'a fait sur les opticiens pour accepter un échange d'informations entre opticiens et la prise de position par une fédération, par une association professionnelle, pardon, cadre d'échange d'informations pour une meilleure maîtrise des loyers et donc la survie
des opticiens qui seraient sous pression de cette charge de loyer. Je trouve que la façon dont la Commission européenne est intervenue avec l'exemple de sa comfort letter du 8 avril 2020 est un peu plus cadrée. Elle avait pris une position, il y a eu une publication de la Commission européenne sur cette situation d'exception liée à la crise sanitaire. Et donc, ça a donné lieu notamment à cette lettre de confort qui a été rendue dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Et on sait que c'est un secteur ultra sensible en termes de droit de la concurrence qui donne lieu à pas mal de jurisprudence et de décisions, avec des acteurs qui sont très sensibilisés à ces enjeux. Et là, la démarche qui a été menée l'illustre assez bien. La DG Comp, donc la direction concurrence de la Commission européenne, a rendu cette lettre de confort qui est publique pour permettre à différents industriels du secteur de la santé d'échanger de l'information et de pouvoir faire face à cette situation exceptionnelle de crise sanitaire. Donc je ne vais pas en détail de la lettre de confort, mais c'est intéressant parce que la méthode, elle fait 4 pages, hein, donc la méthode est quand même assez claire, c'est-à-dire que vraiment la Commission européenne a pris le temps d'examiner les raisons, donc l'objet de la coopération, et de prendre des mesures limitatives d'encadrement, de fixer des conditions pour éviter que cette coopération ait des effets anticoncurrentiels. Donc elle prend le temps de démontrer que l'objet de la coopération n'est pas anticoncurrentiel, c'est vraiment faire face à la crise et permettre d'échanger de l'information pour schématiquement mieux organiser la production et la distribution, la logistique de produits qui sont réellement des produits donc alors je dirais pas de première nécessité exclusivement, mais en tout cas des produits qui sont réellement en situation de tension du fait de la crise sanitaire. Donc elle prend effectivement le temps de démontrer tout ce raisonnement sur les circonstances exceptionnelles et l'objet de la coopération. Et puis elle rappelle les conditions de la coopération pour qu'elle soit pour la valider, sous contrôle. Et donc, elle reprend des critères qui sont assez proches des critères classiques de l'exemption individuelle en droit de la concurrence. Hein, quand vous présentez, enfin, il n'y a plus d'exemption a priori, mais en tout cas, quand on analyse, quand on auto-évalue l'impact d'une coopération entre entreprises concurrentes ou de façon verticale entre un fournisseur et un distributeur, on doit passer par des critères que la Commission européenne a fixés dans un règlement, pardon. Et la Commission européenne, dans sa lettre de confort, prend le temps de rappeler ces différents critères. Il faut que la coopération soit bien sûr absolument nécessaire à l'objet de la dite coopération, ce qui était le cas en l'espèce. Il faut que cette coopération entre industrie pharmaceutique ici soit ouverte à l'ensemble des producteurs qui le souhaitent. Hein. C'est pas un accord fermé, réservé à certains, mais c'est un accord qui est ouvert. On doit avoir une tenue des minutes, donc de l'ensemble des échanges qui sont faits entre les concurrents pour pouvoir en justifier et rester dans l'objet de la coopération nécessaire du fait de la crise sanitaire. La Commission met en place un forum pour avoir accès directement à ces échanges d'informations et pouvoir les contrôler, y compris, elle a anticipé cette possible seconde vague de la crise du Covid. Donc vraiment une mise en place de moyens pour faire du monitoring, comme le feraient des juridictions dans d'autres pays, venir contrôler la mise en œuvre d'engagements comportementaux pris par les différents industriels pour pouvoir coopérer, échanger de l'information entre eux sur la production, répartir la production, répartir la logistique, du coup communiquer sur des clients. Et la Commission prend soin, dans la lettre de confort, bien sûr, de rappeler que, en tout état de cause, c'est cette coopération nécessaire pour un objectif supérieur qui est la santé, comme elle l'a fait dans des règlements déjà auparavant. Cette coopération ne peut porter sur la définition des prix. Et bien sûr, elle réserve ce sujet pour l'exclure de toute forme de coopération sur les prix. Pas d'échange d'informations sous couvert d'une coopération nécessaire du fait de la crise. Donc il y a un véritable effort pédagogique, de pragmatisme et de contrôle de la Commission qui est fait. Mais l'ensemble, je trouve, est quand même positif. Mais il faudrait que les industriels de la santé s'expriment sur le sujet s'ils le souhaitent.